Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 10 janvier 2022, Fred rejoint Myriam, Pauline Paolini, en terrasse pour aller faire de l'escalade, mais Myriam, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, n'a pas la tête à ça. Agacé, Fred souligne qu'elle aurait pu le prévenir plus tôt et s'en va. Peu après, Myriam retrouve Claire, Mélanie Maudran, et lui annonce sa grossesse. Elle lui confie qu'elle souhaite garder le bébé, même si le timing est loin d'être le bon. En effet, elle vient d'être nommée directrice générale adjointe de Elle Cosmétique et elle n'est pas amoureuse de Fred. En fin de journée, Myriam prend son courage à deux mains et dit la vérité à Fred. Elle lui annonce qu'elle souhaite garder le bébé mais ne lui met aucune pression. Elle respectera sa décision, qu'il veuille ou non s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. Chez Elle Cosmétique, Henrik, Julien Macedois, a besoin de renfort pour la gestion des stocks, le suivi des commandes et les envois. Myriam lui propose de rencontrer Nassim, son ancien collègue de la supérette. Elle annonce ensuite à ce dernier qu'elle lui a obtenu un entretien avec Henrik. Philippe Orsensé ne prend à Eve au commissariat. L'enquête sur l'agression de Manu, Moise Santa Maria, se poursuit. Alex, Benjamin Bourgois, et Élise, Malia Roman, essayent de déterminer où Manu est allé le soir du 31 décembre, mais aucun des appels reçus par le capitaine ne les met sur une piste. Soudain, Alex a une idée, et si Manu avait quitté le commissariat après avoir passé un appel et non pas après en avoir reçu un? En épluchant les appels sortant du capitaine, Alex découvre que Manu a échangé avec le lieutenant-colonel Chapelier avant son agression. Sans plus attendre, Alex reçoit ce dernier. Chapelier explique que quelques jours plus tôt, Manu était à la recherche d'un ancien militaire ayant des yeux verrons. Le soir du 31, le lieutenant-colonel a utilisé une messagerie cryptée pour indiquer à Manu qu'il l'avait identifié. Il s'agit de Philippe Orsan, un ancien militaire radié pour un motif classé secret défense. De son côté, Virgile, Fred Bianconi, a retrouvé José. Les deux hommes décident de piéger Orsan pour le faire venir jusqu'à eux. Pour ce faire, José l'appelle et lui fait croire qu'il a retrouvé les toiles volées. Orsan se montre hésitant mais finit par accepter de le rencontrer. À l'heure du rendez-vous, Virgile se poste sur un toit avec une arme, prêt à tirer sur Philippe Orsan dès son arrivée. Mais l'ancien militaire n'est pas dupe. Avant d'aller au rendez-vous, il observe José avec des jumelles et voit Virgile. Furieux, Orsan décide de se venger et va surprendre Eve, Emma Colberti, chez elle.